L'entraînement en altitude, ça consiste à faire une altitude simulée de 3000 à 5000 mètres de façon à faire travailler les organismes avec des pressions partielles d'oxygène diminuées, avec des concentrations d'oxygène diminuées, ce qui force l'organisme à augmenter ses capacités de transport d'oxygène. On l'utilise depuis 2 ans, essentiellement pour les reprises de blessures. Cette année, on l'utilise à la faveur de la Covid et de la reprise un peu plus étalée. On l'utilise pour la remise à niveau des joueurs qui ont été quand même pendant longtemps sans pratiquer de sport. Enfin, tout le monde connaît les stages en altitude que font les sportifs de haut niveau. Hein. Même nous, on est allés quelques fois à la montagne pour cela. Mais là, ça permet d'avoir les avantages du stage en altitude à l'estac. Par exemple, là, vous voyez, ils sont à 4500 mètres. Alors qu'ils sont au stade de l'Aube. Ils font ça tous les jours, tous les après-midi, pendant 40 minutes à 1 heure, suivant leur VO2 max initial et peut-être suivant leur prise de masse corporelle, puisque ça peut être un outil très efficace pour régulariser le poids pris un peu en excès. Alors du coup, on va être sur un protocole qui va durer 3 semaines, avec 4 séances par semaine. L'objectif, c'est de faire une séance de 40 minutes, voilà, avec 4 cycles de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il y aura sur un cycle 8 minutes avec le masque et 2 minutes sans le masque. Alors là, pour la première semaine, on est quand même sur une semaine d'acclimatation. Donc c'est relativement, on va pas dire c'est relativement simple, c'est un peu plus compliqué que la normale, mais généralement, toutes les séances se passent sans souci. Voilà, après, forcément, plus on va monter en altitude ou plus on va monter l'intensité, et plus ça va être compliqué, puisqu'il y aura une dette en oxygène qui sera un peu plus importante. Cette semaine, on se situe entre 2400 et 2800 mètres pour monter la semaine prochaine entre 2008 et 3200 mètres en altitude. Pour finir, sur la troisième semaine, on va rester sur la même altitude, sauf que cette fois-ci, on va monter l'intensité. C'est du bien, c'est différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc c'est vrai que pour le corps, ça demande de s'adapter et tout. Donc j'espère que ça portera ses fruits. C'est long, très long, 40 minutes. En plus, sous cette chaleur-là, c'est pas facile. Hein. Là, j'essaie de me faire un peu de vent, l'air de la montagne.